Cette vidéo vous donne quelques conseils pour bien commencer vos premières soirées d'astronomie pour observer à l'œil nu. Ensuite, il y en aura d'autres pour vous expliquer comment utiliser des instruments d'astronomie. Alors, vous êtes prêt pour faire une observation du ciel. Donc, vous avez compris comment fonctionnait cette carte du ciel. Vous l'avez dans cette vidéo, le fonctionnement. Vous avez réalisé votre propre carte du ciel. Le petit tuto est ici. Vous avez fait votre lampe de poche avec le petit filtre rouge, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, celle-ci. Alors, la carte du ciel, on va l'utiliser. Pour ça, il faut d'abord aller voir un logiciel de simulation du ciel pour savoir où sont situées les planètes. Une fois que vous savez où sont situées les planètes et dans quelle constellation elles sont, vous repérez la constellation sur la carte du ciel. Vous repérez aussi le sud, le nord pour vous situer. Vous mettez la bonne heure, la bonne date, l'horizon sud par exemple devant vous, donc il va être en bas ici. Et il faut vous habituer à la nuit. Donc la nuit, les yeux vont mettre un petit temps, la pupille va s'ouvrir de plus en plus pour faire rentrer la lumière et vous allez voir des astres que vous ne voyez pas l'instant d'avant. Donc la petite lumière rouge pour pas se gêner les yeux et pour continuer de s'habituer à l'obscurité, hein, pour pas vous éblouir, la petite lampe rouge est vraiment utile. Je vous montre, je vous simule, la nuit tombe, elle est tombée d'un coup, j'éclaire et regardez ici, mes yeux ne vont pas être éblouis. Je vais pouvoir voir où est la constellation, je vais regarder dans le ciel, je me mets bien dans le bon horizon, la horizon sud, tel que j'ai mis, et puis j'essaie de la repérer. Une fois que vous avez repéré cette constellation, ben vous allez trouver facilement la planète, hein, puisque voilà, elle ne fait pas partie de la constellation. Vous allez voir ce point brillant selon la luminosité de la planète, hein, je vous l'ai dit que ça dépendait des moments, hein, selon comment elle est proche, si elle est vraiment en opposition, et la planète, vraiment, vous ne pouvez pas la louper. Alors, je vous souhaite une bonne soirée d'astronomie. Faites de belles observations. Cette vidéo, je vous explique avec une maquette pourquoi les constellations visibles dans le ciel du soir ne sont pas les mêmes selon les saisons et ne sont pas les mêmes selon la latitude. Ensuite, cette vidéo explique comment utiliser la carte du ciel, celle-ci comment réaliser une carte du ciel. Ici, un petit tuto pour réaliser une lampe pour faire vos observations. Et vous avez des vidéos qui expliquent comment trouver la grande ours, comment repérer différentes constellations à partir de la grande ours, et aussi vous avez la grande ours en 3D. Les vidéos sont déjà dans la playlist astronomie, il y en aura d'autres qui vont s'y joindre, et sinon vous avez deux autres playlists sur d'autres thèmes abordés sur cette chaîne Le Labo Science, mais il y en a d'autres